Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mysticisme et du gnosticisme dans l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par ces deux termes? Je parle de cette idée de révélation et d'expérience spéciale et profonde, où est-ce que tu, par des méthodes, cherches à avoir des directions particulières de Dieu qui n'est pas trouvée dans la Bible. Et ceci, c'est dans l'Église. J'ai lu beaucoup de livres. Vraiment beaucoup de livres, et j'ai trouvé beaucoup de ces livres-là, des mains de ces enseignants, sur des places qui sont réputables. Je ne vais pas nommer de site ou de place particulière, mais ils vont quand même prôner ces enseignants, ces livres, et quand tu les lis, quand tu les écoutes, tu réalises, ils vont vraiment expliquer des méthodes et des façons par lesquelles tu peux vraiment être seul avec Dieu puis avoir une direction de sa part. Mais je ne suis pas contre l'idée que Dieu nous guide personnellement, c'est juste qu'il faut faire attention. Parce que la Bible ne nous explique aucune façon de le faire. Et de prendre des exemples ici et là et de dire « Ah, c'est des méthodes. » Non, non, c'est qu'est-ce qu'eux ont fait. C'est pas des méthodes. Dieu nous a donné sa parole par laquelle on peut comprendre quelle est sa volonté, qui est sa personne, son cœur, ses pensées. Et dans ces pages-là, tu ne vas pas trouver justement Paul ou Pierre ou d'autres dire « Voici qu'est-ce que tu dois faire pour une direction particulière de Dieu. » Donc même si d'autres hommes ont dit pas si rapide de juste le gober et l'accepter. Comme je dis, je ne suis pas contre. Et bien, je crois qu'il y a une place pour cette idée de chercher que Dieu nous guide de façon personnelle. C'est là peut-être que je vais me mettre dans le trouble en disant ça. Mais il faut faire attention parce que la Bible n'explique pas les façons et méthodes. Et n'importe qui cherche à vous le dire. Et quand tu le mesures à la parole, tu dis, je ne vais pas ça dans la Bible. Tu as tendance à dire, non merci. Je vais me confier avec ce que Dieu a dit. Les vieux chemins sont souvent les meilleurs chemins, comme la Bible nous dit. Et donc, revenons à ce que Dieu nous a enseigné, frères et sœurs. Même si ce sont un peu vieux jeux. Soyez bénis.